La 17e étape du Tour de France 2003 prenait la direction de Bordeaux, 181 km, une étape toute plate. Dès le premier kilomètre, 10 coureurs ont constitué l'échappée victorieuse du jour. Knaven de Quickstep, Consonni de Calderola, De Grotte de Rabobank, Van Bon de Lotto, Mangin de FDJ, Klein de Cofidis, Comesso de Saeco, Lutenberger, le meilleur grimpeur de ce groupe, de la CSC et Para de la Kelme. Au sein du peloton, seule l'équipe Crédit Agricole contrôle l'écart puisque Lutenberger menaçait la 8e place de Christophe Moreau. À l'avant de la course, à 18 km de l'arrivée, le champion des Pays-Bas 1995 et vainqueur de Paris-Roubaix 2001, Servais Knaven, le coureur néerlandais de la formation Quickstep, est parti seul. Derrière, on ne reviendra pas. Et c'est donc la 2e victoire de la saison pour le Batave après la 5e étape du Tour de Qatar et sa première victoire d'étape sur un grand tour. Il va devancer de 17 secondes le groupe de chasse réglé par Consonni devant Mangin et Van Bon, tandis que le peloton va passer la ligne avec 8 minutes et 6 secondes de retard. Un peloton réglé par Robbie McEwen devant Eric Zabel et Baden-Cook. Lance Armstrong reste maillot jaune.